Europress est une base de données qui permet de consulter un vaste éventail de sources de presse. Journaux, magazines grand public ou professionnels, dépêches. Et ce, à l'échelle locale, nationale et internationale. Dans cette vidéo, nous allons voir comment consulter de la presse économique. Donc, tout d'abord, dans votre ENT, rubrique bibliothèque, choisissez le canal ressources en ligne. Puis cherchez Europress dans la liste des ressources pluridisciplinaires. Une première possibilité est d'utiliser l'espace PDF. On y trouve plusieurs journaux et magazines économiques feuilletables dans une version numérique identique à la version papier, avec la une, les illustrations et les différents titres. On peut consulter la dernière édition disponible du journal ou une période plus large. Ainsi, je vais pouvoir feuilleter Les Échos, mais aussi le magazine Entreprise et Carrière, le magazine L'Expansion ou encore le magazine professionnel Usine Nouvelle. Avec l'exemple des Échos, on voit que l'on retrouve la version équivalente à l'édition papier, qu'il est possible d'agrandir ou de diminuer avec la loupe ou les touches CTRL moins et plus de votre clavier. On feuillette ensuite chaque page à l'aide des petites flèches. Une autre possibilité est d'utiliser la recherche avancée disponible depuis la page d'accueil. Elle permet d'effectuer des recherches thématiques sur une ou plusieurs sources à partir de mots-clés. La recherche par critères de source est particulièrement utile. En sélectionnant le domaine économie, on cible dès le départ les sources traitant d'économie, ceci afin de limiter les résultats non pertinents. La période par défaut de 7 jours peut être élargie si nécessaire. Nous allons faire un exemple avec une recherche sur le revenu universel dans les articles de presse parus les 6 derniers mois. Pour cela, j'utilise la recherche dans les mots du titre et je place mon expression entre guillemets. Donc j'obtiens plus d'une centaine de résultats émanant de différentes sources de presse. Donc, chaque article va pouvoir être imprimé, envoyé par mail ou sauvegardé en format PDF. Dans ce tutoriel, on a vu comment consulter de la presse économique avec des exemples de presse française. Europress couvre également la presse étrangère. Il faut alors privilégier des mots-clés en anglais ou dans la langue désirée. En cas de problème technique, reportez-vous au descriptif d'Europress dans la liste des ressources en ligne disponibles à Rennes.